Salut YouTube, c'est Gaga 602, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 5, épisode 12. Donc, on va s'intéresser à cette mission. Voilà, allez voir là-bas. Adélaïde à la marina. On a les tarés sur le dos. Je sais pas combien de temps on va pouvoir tenir contre ces connards. Voilà, donc on va aller là-bas. Pour ça, voilà, c'est là-bas. Je propose de sauter, voilà, en X-Wing. Voilà. Je vais pas faire de coupure du coup. En fait, je me suis TP en haut du mont et j'en ai profité. Voilà. Oh là, c'était chaud. Regardez, là, j'ai des ailes en fait sur les côtés. Wow, wow. Abdelhari de Marina. Non. C'est trop bien, vrai. Regardez là, on parcourt, mais hyper vite. Après, on pourra s'intéresser. Bah, en fait, c'est parce qu'il faut qu'on découvre la carte pour trouver les autres missions. Oh, parachute. Et voilà, on est arrivé. Boum. Bon, les gars, on y va. Je vais appeler mon... Pas lui. Je sais pas comment on fait pour débloquer une nouvelle place. Donc j'ai re-accès à mon tigre. Ah, du coup on va débloquer le poste là. Voilà, lui c'est un blade déjà. Bon les gars, on va faire un peu d'observation pour commencer. Parce que là ça a l'air d'être un gros poste quand même. Après on a le Jaguar pour nous aider, je sais plus comment il s'appelle. Ils sont où les autres? Attendez, je vais le caresser, j'ai encore jamais caressé. Oh, oh. Bon les gars, je crois qu'on va faire cette mission. Hein. Merci d'être venu. Là j'ai fait de coupure sur un exprès, mais vous inquiétez pas. Là je sais pas ce qu'on est en train de me faire. Qu'est-ce qui tu se passe? Tu ne comprends pas ce qu'on essaie de bâtir? Ou bien ça t'est égal? Je te vois courir dans tous les sens et t'en prendre à des gens qui ne t'ont rien fait du tout. Ils sont en paix ici. Ils veulent y rester. Oh là là, j'aime pas. Je sais bien que tu as des doutes. Mais cette histoire n'a qu'une fin possible. Et tu ne pourras rien y changer. Tes amis au dehors... La peur les contrôle. Ils ne comprennent pas. Mais lui, oui. Il te montrera. Tu téléportes, elle? Oh non. Salut, gamin. Allez. Allez, ça va aller. Je sais que tu es venu me ramener. C'est bon. Elle sait. Tout le monde sait. Je sais que tu penses bien faire. Tu penses que j'ai besoin d'être sauvé. C'est fou. Je n'ai pas envie de rentrer. Jamais.
Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir au sens de ta vie? Je veux dire, au sens que tu lui as donné. Tu sais, on nous dit qu'on peut devenir tout ce qu'on veut, pas vrai? Chanteur populaire, sportif émérite, star de ciné. Le succès est à portée de main, quoi. Mais non. C'est des conneries. On a des vies sans aucun intérêt. On fait seulement ce qu'on nous demande de faire. Encore et encore. Tout le monde pense pouvoir faire des choix. Mais... Oh là là, là, franchement, je sais pas ce qu'il a pris, mais... fait quelque chose par choix, hein? Juste pour toi. Non, non. On vit pas nos vies. Mais la leur. Et on croit tous être libres. Mais ça, c'est qu'un mensonge. Une illusion. Putain de merde. J'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça. Je te le dis, moi j'ai plus du tout envie d'obéir. Je refuse d'accepter sans broncher. Et je veux plus être celui qui ramasse les ordures. J'en peux plus. C'est quoi là? Parce que... si c'est ça la vie... alors, à quoi bon? Ici, j'ai enfin eu l'occasion de ressentir ce que je ne pensais jamais pouvoir connaître. Le bonheur. Oh là là. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même bien ça le plus important dans la vie. Le bonheur. Vas-y, va disparaître. Toi de la grâce, tu dois retrouver le marshal. Waouh. Je suis où là? Maintenant, il faut pas que le marshal franchisse ses portes. Récupère le marshal! Vite, tu dois le sauver! C'est un zombie! Laisse-le tranquille! Laisse-le tranquille! Oh là là, le mec, le gars, il est zombifié, là, je sais pas ce qu'il y a. Exécution. Ah, c'est bizarre les chargements que t'as entre chaque truc, là, j'ai coupé par le chargement. Oh là. Tout va bien. Merde, assis, ramène-toi avec la salle. Du calme, peur, regardez-moi. Respirez. Pas de froid. Laissez-vous ça. Vous ne sortirez pas de la grâce comme ça. Si. Mais si. Je peux. Chérif. Très bien. Vous en prie. Allez. Je suis pas. Je suis clean. Tout va bien. Laissez-moi tranquille. Oh, j'étais mort. Très bien. Allez-y. Allongez-vous. Ah. On reste calme. Vous n'auriez pas dû l'amener là. Tracy vous emmerde. J'ai dit que c'était pas une bonne idée, je l'ai dit et redit depuis le début. Vous la connaissez pas. Elle peut rentrer dans votre tête. Méfiez-vous de lui. Je vais lui parler. What?
Bonjour. Du coup, qu'est-ce qu'on est censé faire, oh, juste alors. J'en reviens pas que t'aies pu sortir le Marshall de la Grâce. Face va pas se laisser faire. Et elle va se rappeler à ton bon souvenir. Sois sur tes gardes. Si on a eu une chance, c'est grâce à toi. Salut, mon gars. Bon, du coup les gars, je sais pas si ça nous a mis une autre quête ou quoi. C'était juste un truc pour nous téléporter, pour nous embêter. Maîtrise explosion. Les quantités de composants nécessaires pour fabriquer des explosifs de proximité et télécommandés est réduite de 50%. Et là t'as quoi? Ah ouais, ça je le prends pour réparer des voitures. Du coup les gars Non, moi je voulais aller là-bas. La plupart des gens du coin peuvent survivre sans aucune aide extérieure. Genre de savoir-faire. Bon, du coup je vais essayer de retourner en Wixwing jusqu'à l'endroit. Du coup les gars, je suis retourné en Wixwing et on va refaire la mission qu'on était censé faire. Et ben voilà, déjà en y allant, ça nous a débloqué notre mission. Bah, je sais pas, la fille elle a spawn comme ça. Je sais pas compris. Pour aller, hop! Ah ouais, du coup, je les ai pu. Je vais refaire. Je vais le mettre en objectif. Déjà, faut essayer de neutraliser, c'est ça, les tours. Parce qu'en fait, ils appellent des renforts. Est-ce qu'il va y arriver? Je suis au sniper au cas où. Oui. Reviens là, dépêche. Ok, dépêche, il est mort. Je l'ai vu là-haut, j'en suis sûr. Enfin, ça prend l'habitude de jouer en mode de ça. Wow. Wow. Oh, mais c'est lui qui fait ça. Dépêche. Oh là là. Les gars, je crois que je suis mort. Oh là là, mais du moins pas qu'il est encore mort. Ah oh bah voilà, c'est foutu. Je vais tenter un truc. Il va venir me rire. Ah non. Bon, cette fois on va essayer de faire un truc plus stratégique. Je me suis fait voir.
Vas-y. Vas-y, mais ça me saoule. Touche-le un peu. Voilà. Je vais péter un câble. Ouais, j'ai le pote en aérien qui vient m'aider. Non, vas-y. Voilà. Et moi, je m'embête pas. J'avais désactivé la deuxième tour. Alors, allez où? Allez. Vous pensez pouvoir me voler ma marina comme ça? Vous allez me le faire. Ça me fera une belle histoire à raconter. Vous envoie des bateaux en soutien. Vas-y, ils sont chiants avec leurs bateaux. Voilà, boum! J'adore comment il rentre le truc, c'est trop marrant. Bon, je préfère, franchement, la première musique elle était mieux. Ah, du coup, alors on l'a fait sortir là, la débile. Voilà, 400 RP, la secte. T'as fait du bon boulot à la marina. Oh, je peux faire mes propres. Adélaïde Drobman est un peu spéciale, mais elle a les moyens de bien emmerder Dunskate. C'est le genre de personne qu'il nous faut. Va voir ce que tu pourrais faire pour elle. Alors. Là. Ah ouais, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Oui, c'est moi. Bon, alors écoute-moi bien. Je dois déjà supporter que ton petit gigolo de mes jeux. Par contre, en groupe, je vais sélectionner lui. Parce que... Putain de marina. Tiens. Mais si tu veux pas avoir de problème, je te conseille de pas les laisser approcher de ma drague préférée. Eh non, c'est pas une menace. Alors évite d'aller raconter à ton envieux d'avocat que je te harcèle. Non, moi, ou ça fait sauter ta bagnole. Ok, je croyais qu'on allait avoir une mission, mais là... T'es un ange. Merci. La secte occupe la Howling Cave. Ils piègent des loups et ils les dressent pour en faire des juges. Pour ça, ils doivent être armés jusqu'aux dents. Et si on faisait une descente? Du coup, on va aller lui parler à la Viens par là, mon chou. J'ai besoin de ton aide. Adélaïde Drobman, ravie de faire ta connaissance. C'est gentil de m'avoir aidé à récupérer ma marina, mais j'ai un autre problème, trésor. Ces enculés de fanatiques ont piqué mon tulipe. C'est l'engin le plus rapide de ce côté du Montana. Et j'ai pas l'intention de laisser ces raclures de bidets me le voler sans rien dire. Je l'ai reçu pour mon divorce, cet hélico, en toute légalité. L'espèce de bite dégénérée qui me l'a volé l'a repeint avec cette horrible couleur mayonnaise des tarés. Alors pour le retrouver, tu vas devoir identifier le pilote. Ça devrait être assez simple. Tous les autres hélicos du coin sont pilotés par des femmes. Avant, les week-ends, on volait ensemble. Mais notre amitié est partie en couille quand ces pauvres débiles ont rejoint Eden's Gate. Alors ça me dérange pas si jamais tu leur exploses la gueule par accident. Qu'est-ce que t'en dis, trésor? Aide-moi. Et mon tulipe et moi, on viendra te chercher quand tu voudras. Faut qu'on se détende. Vivement le temps. Pour les pêcheurs, pour s'envoyer en l'air en pleine nature. Faut qu'on se détende. Ok, donc on va aller Hmm.
Déjà, je vais me TP là parce que c'est près du truc. Allez. Ah non, d'abord il y a là. Ah, je peux pas encore me TP là. Je vais me TP là d'abord. Et donc je nous ai TP là. En fait, elle, je crois qu'elle va faire switch aérien un peu comme l'autre. Ah non, elle va faire switch à mes bateaux peut-être. Bah, je sais pas. Ah, mais non, c'est un switch aérien. Enfin, le truc, c'est bien pour se déplacer. Donc, en fait, on a trois points différents à chercher. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il y en a un des trois où il va avoir l'avion. On va pas me faire repérer par les avions. Tuer le pilote. Ok, donc ça c'est facile. Si c'est une femme aux commandes, tue-la et va chercher mon tulip. J'allais pas bien. Sa tête. Vas-y, Cougar. T'inquiète pas, ça va aller. Attends, j'ai plus de vie, moi. C'est bon, je vais me laisser réa normalement. Je suis sûr que ça va être, c'est fait exprès. Ça va nous faire fouiller les trois. Bon, allez, l'autre, je vais me TP aussi parce qu'on peut se TP, ça ira plus vite. Hein. Voilà, regardez, il y a un point pour se TP juste ici. Du coup, elle est disponible. Bon, je vais essayer d'y aller. Ah voilà, je pouvais pas me TP, du coup bah j'ai pris l'hélico qu'il y avait et puis j'ai été. Hop. Et comme d'habitude. On s'est fait repérer quoi. Ils savent plus où je suis là. Donc, je vais les contourner. Je vais tous regarder. Regarder combien ils sont déjà. Ok, c'est lui que je dois tuer. Ok, c'est 9. Eh. La technique abordable. Oh, elle a tué mon chien. Eh, et ça mérite un coup de botte de baseball. Tu brûleras en enfer, toi. Éloigne-toi de moi, hérétique. Bon, elle est morte. Mes bottes. Ok, du coup il y a un dernier endroit où aller. Est-ce que on peut se TP pour y aller? Oh, c'est loin quand même. Ah vas-y, je peux aller là. Ok, ouais les gars, je me suis en me tapant ici, je me suis rappelé que j'avais vu une vidéo et ici on peut débloquer une tenue.
Et je savais plus où c'était. Donc on va faire la mission. Hey, vous êtes nouveau ? Vous voulez bosser sur un film ? Bien sûr que oui ! La solution à tous mes problèmes. Un classique. L'anonyme d'un trou perdu, toi, débarque juste à temps pour sauver un auteur mondialement connu, Guy Marvel, ton serviteur. Ça fait 4 ans que mon film, mon chef-d'œuvre, est sur les rails, et je refuse de le laisser gâcher par des paix aussi atténuées de tout talent cinématographique. Vous savez combien de prix Blood Dragon 3 va gagner si on arrive à tourner ce putain de chef-d'œuvre ? Des centaines ! Le problème, c'est que tout ce putain de pays est une usine à boucan, et que j'ai besoin du silence absolu pour tourner cette scène ! Jouez la star, d'accord ? Mon assistant va vous mettre au jus. J'ai besoin de réfléchir un peu à mon génie. Silence, ça tourne. Mission annexe. Du coup, on va la faire parce que je sais qu'on gagne une tenue. Parlez au premier assistant. Ok. Écoutez, je suis pas l'assistant. Je suis juste l'ingénieur du son. Dean. Guy a viré l'autre parce qu'il voulait pas utiliser de vraies balles sur les vaches. Son idée de génie, c'est de tourner une scène de film muet, mais sans couper le son. Vous vous doutez que ça se passe pas super bien. Du bruit dans le Montana sauvage. Qui l'eût cru ? Il y a beaucoup trop de bruit ici. Votre boulot, c'est de faire taire ce bruit. Par tous les moyens. Vous entendez ce klaxon ? C'est ce genre de conneries qu'il faut empêcher. Faites ce qu'il faut pour stopper ça. Ok. Merci d'avoir sauvé les cougars. C'est vrai que c'est chiant. Allez, faites-moi taire ce klaxon. Soyez pas timide. Ça par contre ça sonne vraiment. Contrairement à Boomer, en même temps ça a pas de pêche quoi. Mais non mais je suis bête de le tuer. Avec mes armes sont toutes chargées. Oh, il y a des flèches. Ah non, il y a des billets par terre. Je joue les flèches. C'est que je suis habitué au sniper Fortnite. Il faut toujours tirer au-dessus de la tête du gars pour que la balle le mette à headshot.
C'est pas pour vas-y. Il bouge dans tous les sens là, en fait. Ouais. C'est bon, allez, go, on retourne vers le gars. Les gars, je vais vous montrer un truc, ok? J'ai arrêté de filmer ça par exprès, mais en fait là j'ai gagné une tenue, donc on ira la mettre plus tard. Voilà, c'est la tenue Omega. Vous voyez que si vous avez vu les épisodes précédents où j'étais en cop avec Noah, c'était la tenue qu'il avait. Donc là maintenant on va aller là-bas. Vas-y, moi je cours, c'est bon. Là, je prends la stimulant. Avant qu'on fonctionne. D'Adélaïde. On doit localiser. Quand t'auras trouvé ce fumier, attends qu'il pose mon beau tulipe. Ensuite, broie-lui les noix et ramène-moi mon engin. Et t'avise pas d'abîmer. Ah, c'est ça. Ok, je le localise. Ok. Hop, regardez la technique. Parachute, hop, ça fait voler un peu plus haut et on y va. Ok, jumelle. On va se tenter de faire lui à l'arc. Ah bah il remonte. Mais non. Et c'est fait, où il va? Et lui il fait moins mal là, avant il faisait tous les malins là, leur protection. Désolé les gars, j'ai eu un problème de batterie. Ouais, j'avais plus de batterie à ma manette, ça fait comme... Oh mais non, mais il se fout de moi, il change de... Vas-y, ça me saoule. Bon, je vais retourner là-bas du coup. Oh là là. Ben non, mais regarde comment je suis censé faire, quoi. Attends, j'arrive. Je vais le taper, mi. Attends, je pouvais mettre mon grappin. Là-bas. Oh, chaud. Non.
va pas se renvoler. Bon alors monsieur, comment veux-tu que je fasse? Ok, je le tape, je le tue au sniper. Ah ouais, mais je fais comment? T'es pas dans ma tête cette fois-ci. Vas-y, il est où mon chien? Bah Cougar là. Pépèche, pépèche. Ok, je prends direct ma grenade. Voilà. Ça c'est bien. Attends, vas-y, moi je vais pas chercher à comprendre. Quoi, il est encore vivant? Non, 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 tu remontes pas dans ton hélico, toi. Regardez en bas. Boum. Ouah, c'était quoi ça? Vas-y, bah, je fais quoi, moi? Ouais, re les gens. Voilà. C'est pour moi, leur malin. Que je fasse gaffe au gars qui a le lance-roquette. Hop, allez, tu reprends, allez. Oh non. Oh, oh là, headshot. Oh là, headshot. Faut arrêter de le tuer, quoi. Mais j'aime pas la cinématique. Bah c'est chiant quoi. Mais des fois il y a des moments t'es pas obligé de faire ça. Allez hop. On a enfin l'hélico. Ah ouais, il y a des sacrés missiles en fait. Ramener l'hélico. Oh non, on va continuer à se faire attaquer. Regardez, il y a une barre de vie. Ah, on n'a pas beaucoup, regardez. Ah ok, ça se recharge. Vas-y, on s'en fout. On avance. Et c'est loin. Pop, 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 pop. Regardez, on va tester le maximum. Ça va, c'est tranquille hein. Je refilmerai s'il y a une attaque. Bon les gars, en fait il n'y a pas eu de fight hein. Je sais pas pourquoi là je tiens une fois. Bon allez, j'allais sauter de l'hélico mais non. Bah ouais, mais je suis bête, faut pas sauter là du coup. Ouais, par contre pour descendre ça en prend du temps. Ce qui est chiant avec les hélicos dans le jeu, c'est que genre tu veux tourner la tête à gauche, il y a tout l'hélico qui tourne. What? Vous avez vu ce que j'ai fait avec l'hélico? C'est une manœuvre chelou. Regardez, je regarde en haut, il y a l'hélico qui... Les tarés sont revenus, pire que des morpions. J'espère que t'as mon tulipe, trésor. On a besoin d'aide.
Ah, voilà du fight. Oh! Pas pour tirer. C'est doux que ça va. Oh là, quand je l'ai revenu. Vas-y. Voilà. Oh, oh, j'ai frôlé l'arbre. Je me le serais pris, je serais mort. Vas-y, on pose la tulipe là. Voilà, il est bien posé. Bon, allez, go, 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 contact, contact. Oh là là, magnifique. Laissez-moi me tuer. Adeline, t'en vas pas. Tu crois que tu conduis mieux que moi? Mais je t'en prie. Ouais. Et vas-y, mais... Ça me saoule, ça, les bugs des gens qui veulent pas te parler. Bon sang, voilà. J'ai le compteur qui s'emballe, là. Tu perds de miches en silicone. T'arrives pile à l'heure pour les réjouissances et tu me rapportes mon tulipe en un seul morceau. Je tiens toujours parole. Donc, si t'as besoin d'un pilote capable de dégommer les noix d'un écureuil à 15 mètres, n'hésite pas. Appelle-moi quand tu veux. Sauf au coucher du soleil. C'est l'heure où Xander fait son yoga et j'aime bien regarder. Tu sais pas ce que tu rates si t'as pas vu son petit cul en posture du chien. Oh. Enfin, encore merci, lapin. Je te revaudrai ça. Bonjour, trésor. Pas le temps, là. Vite, le chien, il est à terre. Adeline, Druban, ajoutez à votre groupe. Là, tu devrais faire une crise cardiaque. Se déplace toujours avec son hélicoptère. C'est une recrue de choix. Ah ben, on pourra parler à cette personne dans le prochain épisode, les gars. Ouais, on va se laisser pour cet épisode. C'était l'épisode 12 et on se rejoindra pour l'épisode 13. Putain, cauchemar pour l'environnement. Voilà, bon, à plus, les gars.